Alter Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince, sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com/alterradio et zeno.fm/alterradio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24h sur 24 sur alterpress.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Press, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Visitez-nous à Delma 51 numéro 6, Avenue au 28 13 10 09. Écrivez nous à alterpress@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpress et suivez-nous sur twitter.com/alterpress. Alterpress, beaucoup plus que l'actualité, 24h sur 24 sur www.alterpress.org. GAF, groupe d'action francophone pour l'environnement, nan tèt koulé ak Patnelio, lanse yon projet pou renforcement kapasite jen peyi d'Haïti pou yo eksprime yo epi joué rol citoyen yo. Projet sa ap realize pendant 36 mois nan 6 commune nan peyi a ki se Kafou, Cité Soleil, Kinskof, Verrette, Mibale ak Belade. 84 jen ki gen l'aj 18 rive 25 ans ki soti nan 6 commune sa yo ap jwen nan bonjan akompanyman pou defann pak pou transisyon ekolojik ak sosyal la devan moun ki vle vin dirijan yo. 8 organizasyon pou pipiti ap jwen financeman ak akompanyman pou mene yon seri proje inovan pou proteji environman. Anji environmental yo mande pou gen bonjan angajman politik solide ak politik piblik pou nrive jwen solisyon yo. Nan san sa, jen yo gen pou misyon pou enfliyanse politik piblik yo. Men pou sa, yo dwe rempli de vwa sitwayen yo. Proje sa vle pousse jen yo pren responsabilite sivik yo genyen yo. Proje sa jwenn sipò, l'Union Européenne, Pain pour le Monde, GAF France et GAF Haïti. Mesaj sa, pa angaje Union Européenne. Tous les jours, toutes nouvelles, sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Bienvenue sur Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport qui se Journal Sport, qui passe à 6h30, 10h30 dans la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 dans le matin et puis midi et demi. Football Super Coupe Amani qui a déroulé dans le parc Clovis Saint-Marc. Deuxième défaite du Racing de Gonaïves, battu 4-0 mercredi soir par le Triomphe de Liancourt ce vendredi, USR Cosmopolite. Jeu de dames à l'initiative de Idruff Haïti. Gagnons une grosse compétition qui va le dérouler 16 avril, le Capinilla, Nandelma 19. Dr. Jerry Pierre-Louis qui s'est porte-parole organisation SILA te répond une question Alter Radio 106.1. Basketball scolaire, championnat de l'unité, 7e édition, 10e journée, gagne 3 matchs qui à l'affiche. Le vendredi, souterrain, 6 bas en Babiol, donc collège Victor Baroulette, collège Fernand Prosper, dans la catégorie Open. A l'étranger, tennis, tournoi de Miami, Naomi Osaka qualifié pour 3e tour. Basketball NBA, sous décision maestra New York, là, Kerry Irving, qui toujours pas vacciné contre COVID-19, là, capable de jouer match qui a déroulé Brooklyn à New York. Football Eriksen très content pour y retrouver sélection Danemark là
9 mois après arrêt cardiaque hier en plein match contre la Finlande. Javier Aguirre, c'est nouvel entraîneur marocain. Coupe du monde Qatar 2022, sorti 21 novembre pour 18 décembre. Japon, Arabie Saoudite qualifié. Portugal, Pays de Galles, Macédoine du Nord qualifié pour finale barrage. Italie, Autriche, Turquie éliminé. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti a 6h30 nan aswen, li pase tou a 10h30 aswen, a minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, epi midi et demi. Alter Sport, tout nouvel, sou tout sport, sou Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Développement actualité sportif lan d'abord sou plan national gen stade DRVPNK Fief Inter Miami ki bral akyeyi match international entre Haïti et Guatemala dimanche 27 mars kap vin nan 4h l'après-midi. Haïti a prepare li pou 2e edisyon Ligue des Nations ki bral debute en juin prochain. Tirage au sort la gen pou fête lundi 4 avril a Miami. Haïti en raison de mauvais résultats li yo li relégué en Ligue B. Liste 20 joueurs qui convoqué par sélectionné national Jean-Jacques Pierre pour match Haïti-Guatemala dimanche. Deux gardiens, c'est Josué Duverger, encore lui, Alain Jérôme. Sept défenseurs, c'est Ashkanov Apollon, Gavin Miché Metoussala, Meshak Jérôme, J.P. Simonsen, Alex Christian Junior, Ricardo Adé, John D. Vandermeer. Six milieux de terrain, c'est Donald Guerrier, Leverton Pierre, Brian Chevreuil, Calfred Sainte, Sonny Moustiva, Danley Jean-Jacques, 5 attaquants, c'est Kaneji Antoine, Derrick Etienne Junior, Danny Jean, Cristiano François, avec Fridler Christophe. Actualité football là toujours, Super Coupe Amani qui a pas déroulé dans Parc Level Saint-Mars, sorti 6 mars pour le 24 avril, dans l'occasion fête patronale Villain. Mercredi 23 mars, gagné Triomphe de Liancourt qui bat Racine Gounaïve 4 gols à 0. Deuxième défaite Gounaïve yo. Jounen samedi 26 mars la toujours dans groupe A. AS Kapwaz a poursuivi Tempête. Classement dominé par Tempête. Triomphe 4 points. Violette 4 points. AS Kapwaz 1 point. Cinquième Racine de Gounaïve avec 0 point. La groupe BA ce vendredi 25 mars. USR équipe Tirivière la Tibonite dans la pour jouer avec Cosmopolite de Delma. Et puis dimanche 27 mars AS Mibale après rencontrer Baltimore. Classement, c'est Baltimore 6 points. Deuxième, AKE Cosmopolite 3 points. Quatrième, USR 0 points. Cinquième, AS Mimbalet avec 0 points. Alter Sport. Actualité sport nationale ak international sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. L'autre point, l'actualité sportif là sous plan national, jeu de dames à l'initiative de Idrof Haïti, gain ou championnat national, qui va dérouler samedi 16 avril, Cap-Evinina, dans le local pasteur Jean-Marie Désir, qui n'a Delma 19, docteur Jerry Pierre-Louis, qui se porte-parole Idrof Haïti, Tebay plus précision, dans micro Alter Radio 106.1. Idrof Haïti, c'est une organisation à but non lucratif, côté que nous n'avons pas de sponsor du tout, donc c'est nous-mêmes entre nous, membres organisation ça, qui a gratté tête nous virer tout pour nous arranger nous pour nous voir comment nous capable promouvoir jeu d'amia en Haïti et pour ne pas dire même dans le monde. Donc, nous gagnons une année et plus depuis nous exister, nous fait activité en ligne sur une plateforme qui est l'Idroft. L'Idroft là, c'est une plateforme internationale qui reconnaît par Fédération mondiale jeu de dames. Vous faites championnat du monde des nations, vous faites sous lit, vous font paquet d'activités tout le temps sous lit, mon paquet grand international tout le temps qui a joué compétition sous plateforme ça. C'est sous plateforme ça que nous-mêmes Idroft Haïti qu'on fait compétition chaque semaine pour damiste haïtien, ça dit compétition locale et nous qu'on fait toute compétition internationale pendant 2 ou 3 fois pendant l'année. Dernière compétition nous fait internationale nous fait c'est en décembre 2021 côté que nous avons un paquet gros joueurs international qui étaient participé là-dedans mais qui gagne titre n'est qui les GMI qui n'est qui gagne titre grand maître international. Donc là qu'on y a nous APC il agit cadre là. N'a pas gardé pour nous, c'est capable toujours qu'un bien activité en ligne, mais pour nous faire activité physique tout. Ça veut dire activité face à face, activité sous bague d'amis. Parce que nous avons des gens qui peut-être jugent que activité en ligne paraît un petit cas virtuel.
C'est là nous prend décision pour nous faire un gros remblé, un gros coquin chaîne compétition qui porter notre championnat national Age of Haiti parce que ça a milieu à gagner un bon titre de ville bagain modèle activité ça. Donc championnat national Age of Haiti ça la fête samedi le béni 2022, ça veut dire dans 2 à 3 semaines encore dans local pasteur Jean-Marie Désir qui trouvait lui dans Delma 19. Donc pour contact, vous pouvez contacter moi sous numéro ça 3468 1602 et puis de là n'a pas jeune plus information. Prix inscription c'est 100 goud. Les monde n'a contacté moi, pas contacté moi pour nous voir pour moi. C'est pas moi même qui responsable ramasser l'argent. Donc n'a contacté mais moi même m'a ba nous qui modalité hein, formulaire description etc. Donc comment ça à pied? N'a bien 40 participants maximum. 40 participants ça yo, yo gen pou yo jouer entre yo. Côté que a bien 34 cap tombé, a bien 6 cap rete. Et qui ça n'a fait pour nous recueillir et résultat yo, victoire, défaite et puis nul, etc. pour nous départager en fonction des résultats ça, différents résultats yo. Donc c'est un système qui vraiment utilisé dans milieu hein, que les systèmes suisses qui pral départager. Maintenant 6 premiers moun ça yo, nous pral font deuxième phase avec yo. Deuxième phase ça, c'est dans phase ça qu'on va gagner classement final là. Côté que 3 premiers moun yo champion l'a bien compris 20000 goud qui c'est 4000 dollars haïtien, deuxième n'a bien compris 15000 goud qui c'est 3000 dollars haïtien, troisième n'a bien compris 10000 goud qui c'est 2000 dollars haïtien. Et puis tous les trois monde ça il y a bien une médaille comme souvenir et il y a bien coupe tout. C'était précision docteur Jerry Pierre Louis qui c'est porte-parole IDREF Haïti. Et puis basketball scolaire 10e édition championnat de l'unité 10e journée ce vendredi 25 mars dans le local Sibak et la Babiole à 2h catégorie junior filles lycée Marie-Jeanne contre Césaire, à 3h Marie-Reine Immaculée a joué avec collège Saint-Louis de Boudon, à 4h catégorie open garçon collège Victor Baroulette contre collège Fernand Prosper. Pour nous clôturer actualité sportive là sur plan national boxe, sorti 22 mars privé 2 avril, après déroulé du côté de Guayaquil en Équateur, le championnat continental Haïti était doué présent avec trois boxeuses, Marie-Catherine Terlin, 52 kg, Saint-Élise Jean, 57 kg, et Blandina Salna, 64 kg. Cependant, en raison de soucis administratifs, Blandina et Saint-Élise, qui arrivent en Haïti, pas fait déplacement. Cependant, Kathleen, qui arrive aux États-Unis, est déjà en terre équatorienne pour représenter pays. Allez, on t'y pose, là nous retournons, nous allons à l'étranger. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux. Magazine et rubrique d'Alter Radio. Sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcast. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Depuis quelques années, la justice dans le pays d'Haïti a mal fonctionné pour diverses raisons. Ça la cause en pile monde pas qu'à une justice. Pourtant, selon la loi, tout le monde, sans distinction, bien droit pour la justice tande yo dans un délai raisonnable. Faut que tribunal là compétent, indépendant, faut qu'il pas gain force côté pour capable décider rapide sous fondement ça yo reproché moun nan si c'est dans domaine pénal. Ou soit déterminer droit à obligation moun lan dans tout l'autre domaine. Et faut que jugement yo public. Tout moun yo accusé de yon contravention, yon délit ou soit yon crime, c'est un présumé innocent jusqu'à ce que yon tribunal ta dit li coupable. Et avant yon moun passe devant yon tribunal, li doit connait en détail tout ça yon reproché li. C'est droit nous tout pour nous joindre avocat gratis ti chéri si moyen nous pas permettre nous. Et puis c'est tout droit nous pour nous participer dans jugement. Poser témoin ou bien expert aux questions, relayer témoin pas nous ou soit exiger avis l'autre expert par rapport à ça tribunal là t'est déjà présenté. Pour nous cas une justice, c'est fonctionnement la justice à niveau respect droit garanti judiciaire dans yon pays qui pour dit nous qui j'en santé démocratie ayé dans pays ça. C'était yon message RNDDH Axipor Avocats sans frontières Canada. Haïtiens, haïtiennes, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend.
Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI. Goodbye, Rose. May you have... Oh, Jad, sorgé. Qui en fait vous craser comme ça? Ou pas venir dans le studio avec Figi ça, non papa? Ah mon cher, non tellement il dit même ça là. Au contraire, je pense que c'est bon. Ah bon? Qui est dit? Eh bien, il dit petit Max là. Ça, monsieur te gagne. Mon cher, pourquoi on est ici et dans le film drogue? Arrête tout goût, mes parents, goût, mes amis. Pas jamais quitter, non? Donc la fuck top, monsieur. Ah mon cher, a fait drogue, ça, son fléau. Li tout côté qu'on y a, dans l'école, dans l'université. Même nan gang yo drogue la simaye et se jen yo ki plis victime. C'est vrai, oui, ça dit. Pourtant, si yo te koné, ça fait drogue ça, c'est de côté là même. Ou bien en prison, ou bien en cimetière. C'est ça qui fait nous vraiment gain intérêt à protéger jen yo quand on flé yo comme ça. C'est pour ça, Konal a souhaité tout jen. Ça qui nan drogue, tant que si là qui ta gete ta sou pichon ça, courage à conviction. Pour yon tabat chalbari de yon malè pandye drog ki kope an kwa devan avni yo. Paske se nou tout, zami, fami, ki pou di non, non a la drog. Goodbye, Blooms Rose. May you ever grow in our hearts. You are the great... Yo bo, te kon di msi dam sa gen jem vi si dan asel. Bon, koman l fè an form kon sa amin? Tou ka bo, elle est mes enfants frère ba privé non papa pour qu'on soit pas capon monsieur bon qu'est-ce que ça dit là ou pas informé on monde qui gagne virus sida c'est tant qu'on est porte maladie connait qui tant que maladie cœur psych tension et puis tout les petits monde n'pied prend médicament l'a mener vie familiale aller l'école à travail normalement oui crété régine. Comment fait qu'on tout bagay sa yo? Maman le docteur oui, rete. Ou gen oublié. Et puis, moi informé en pile sous sujet a. Yon moun ki gen jèm sida, ki toujours bien prend médicament ARV sans camper. Après 6 mois sous traitement, li pa ka ba yon lot moun sida nan fè sexe. C'est tant qu'on vit cela te disparaît nan sang. Oh. Disparaît nan sang même, ça veut dire li pa gen encore? Li toujours gen, mais grâce à ce médicament ARVO, quand tu t'es viré ce qui n'a se levé tellement petit, test à examen laboratoire pas même rivé détecter. Mais, faut que les toujours prennent médicament ARV chaque jour et puis allo faire test là chaque un an. Information, c'est gros causé. Pour moi, depuis mon langue sida, la ville finie. Problème manque information, ça fait nous faire un pile discrimination vraiment. Informez dans des timons. Yon ti kras VIH nan san egal zéro transmisyon. Se yon mesaj, Ministè Santé Publique PNLS, grâce ak Sipo Teknik Institut Panos, epi financement PEP Amerike, atrave PEPFOR ak USAID. Alter Sport, aktualite sport nasyonal ak internasyonal sou Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive là pour Konya sur plan international gagne l'Italie qui chute à domicile contre la Macédoine du Nord journée jeudi en demi-finale des barrages pour la Coupe du monde Qatar 2022. Alexander Krajkovski marqué grand goal contre l'entente additionnelle. Élimination également de l'Autriche qui tombait devant Pays de Galles 2-1 et c'est donc Gareth Bale qui marquait un doublé pour Pays de Galles. Galloire ou à la Fonte l'Écosse ou l'Ukraine en finale des barrages. Grâce à des buts de Otavio, Diogo Jota et Mateus Nunes, Portugal est qualifié pour la finale des barrages en battant la Turquie 3-1. Portugal ou à la Fonte, la Macédoine du Nord en finale mardi. La Suède est passée lui-même par les prolongations pour éliminer la République tchèque 1-0. But de Kesson à la 110e minute de jeu. Suédois ou à la croiser le fer avec Polo et Mardi pour une place pour Mondial 2022, ya, n'a rappelé tout résultat au pays de Galles, bat Autriche 2-1, victoire de la Suède 1-0, dépend de la République tchèque, Macédoine du Nord éliminé, Italie, victoire de Macédoine du Nord 1-0,
et puis Portugal bat la Turquie 3-1. Et mardi 29 mars, à finale des barrages, Pologne face à la Suède, Portugal va jouer avec Macédoine du Nord. Et puis, date à confirmer, Pays de Galles face à l'Écosse. Ou bien l'Ukraine, puisque ce match-là n'a pas trouvé joué, en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En Amérique du Sud, il y a gagné 17e et avant-dernière journée, jeudi 24 mars. Là, gagné la Colombie qui bat Bolivie 3-0. C'est Luis Diaz, Miguel Borja avec Uribe qui marquait pour la Colombie. Victoire du Paraguay 3-1 au dépens de l'Équateur. Morales, Incapia et contre Cani Almiron. Et puis Caicedo est réduit jusqu'au là pour l'équipe Équateur. La belle victoire du Brésil 4-0 au dépens du Chili. Neymar, 44e minute sous penalty. Vinicius Junior, 45e minute. Coutinho, 72e minute sous penalty. Et puis Richarlison, 90e minute de jeu marqué pour Brésil. Et puis Uruguay, grâce à un goal de De Arrascaeta, 42e minute, bat Pérou, 1-0, ou importante victoire de l'Uruguay. Tandis que journée vendredi 25 mars, là, l'Argentine l'a pas joué avec Venezuela à 7h30 du soir. Et 18e et dernière journée, c'est mardi 29 mars, 7h30 du soir, tout patrouille à jouer, Pérou, Paraguay, Équateur, Argentine, Venezuela, Colombie, Chili, Uruguay. La Bolivie a recevoir Brésil. Classement, Brésil, premier 42 points déjà qualifié pour la Coupe du Monde. Deuxième, Argentine, 35 points déjà qualifié. Troisième, l'Équateur, 25 points. Quatrième, l'Uruguay, 25 points. Cinquième, Pérou, 21 points. Sixième, pour le moment, c'est la Colombie, 20 points. Septième, Chili, 19 points. En neuvième, c'est la Bolivie, 15 points. Et huitième, c'est Paraguay qui vient devant la Bolivie, qu'on y a avec 16 points. Et puis dixième, Venezuela, avec 10 points. Et puis en Asie, nous connaissons deux autres qualifiés, le Japon avec l'Arabie Saoudite. Zone Afrique, ce vendredi 25 mars, vous allez gagner barrage à 11h la matin, République démocratique du Congo face à Maroc, à 1h Mali-Tunisie, à 1h toujours Cameroun-Algérie à 3h30, Ghana-Nigeria, la même heure à 3h30, Égypte face à Sénégal. Alter Sport, toute nouvelle, sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Dernière ligne droite de Journal d'Espoir, amis auditeurs tennis, la japonaise de père haïtien Naomi Osaka, désormais 77e mondiale, est qualifiée sans problème pour 3e tour tournoi Miami, elle bat l'Allemande Angelique Kerber en 2-7, 6-2, 6-3. Au tour suivant, Osaka va retrouver la Tchèque Karolina Muchova, 74e mondial. Basketball NBA, Kyrie Irving désormais autorisé pour jouer du côté de Brooklyn. Toujours pas vacciné, Kyrie Irving va être capable de jouer avec les Nets de Brooklyn, mais tout à New York. Et dès maintenant, il y a un magistrat et New York là qui levait certaines restrictions sanitaires liées au COVID-19. Qui t'a empêché un salarié du secteur privé pour y travailler à New York sans passe vaccinal. Il y a restrictions levées pour les sportifs et les artistes. Match qui a gagné jeudi vendredi 25 mars là, la NBA à 7h PM Utah Charlotte. La même heure à Washington Detroit, 7h30 PM Golden State Atlanta. À 8h PM Dallas Minnesota, New York Miami. À 10h PM Houston Portland. À 10h30 PM Philadelphie. Los Angeles Clippers, comme d'habitude, de classement dans deux conférences jusqu'à mercredi soir. Conférence S, premier c'est Miami, 47 victoires, 26 défaites. Deuxième, Philadelphie, 45 victoires, 27 défaites. Troisième, Milwaukee, 45 victoires, 27 défaites. Quatrième, Boston, 46 victoires, 28 défaites. Cinquième, Chicago, 42 victoires, 30 défaites. Sixième, Cleveland, 41 victoires, 31 défaites. Septième, Toronto, 40 victoires, 32 défaites. 8e, Brooklyn, 38 victoires, 35 défaites. 9e, Charlotte, 37 victoires, 36 défaites. 10e, Atlanta, 36 victoires, 37 défaites. Conférence Ouest, dominée par Phoenix, 159 victoires, 14 défaites. 2e, Memphis, 50 victoires, 23 défaites. 3e, Golden State, 48 victoires, 25 défaites. 4e, Utah, 45 victoires, 28 défaites. 5e, Dallas, 45 victoires, 28 défaites. 6e, Denver, 43 victoires, 30 défaites. 7e, Minnesota, 42 victoires, 32 défaites. 8e, c'est Los Angeles Clippers, 36 victoires, 38 défaites. 9e, Los Angeles Lakers, 31 victoires, 42 défaites. Et puis 10e, New Orleans Pelicans, 30 victoires, 42 défaites.
Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti a 6h30 nan aswen, li pase tou a 10h30 aswen, a minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, epi midi et demi. Alter Sport, tout nouvel, sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Avant nou ale, gran titre ki te domine aktualite sportif la sou plan nasyonal football Supercoupe Amani ki ap devoule nan Parc Lovell Saint-Marc, deuxième défaite du Racing de Gonaïve, battu 4-0 mercredi soir par Triomphe de Liancourt. Sou vendredi, ISR Cosmopolite, jeu de dames à l'initiative de Hydrof Haïti, gen yon gro kompetisyon ki ale devoule 16 avril Kabina, Nandelma 19, Dr. Jerry Pierre-Louis ki se porte par l'organisation si la, ki repon kèsyon Alter Radio 106.1. Basketball scolaire, championnat de l'unité, 17e édition, 10e journée. Et 3 matchs qui a l'affiche le vendredi, souterrain Siba en Bagol, dont collège Victor Baroulet, collège Fernand Prosper, dans la catégorie Open. A l'étranger tennis, tournoi de Miami, Naomi Osaka qualifié pour 3e tour. Basketball NBA sous décision maestra New York, la Kyrie Irving, qui toujours pas vacciné contre COVID-19, là, capable de jouer match qui a déroulé Brooklyn à New York. Football Eriksen très content pour les retrouver sélection Danemark 9 mois après arrêt cardiaque liant en plein match contre la Finlande. Javier Aguirre, ce nouvel entraîneur marocain. Coupe du Monde Qatar 2022, sorti 21 novembre pour le 18 décembre. Japon, Arabie Saoudite, qualifié. Altes pour arriver dans Boutli, amis auditeurs, merci un peu pour l'attention. Merci à collaborateur nos James, tous ceux qui étaient dans la réalisation. Nan mi kwa, se te Smith Griffon. Bonne suite de programme sou Alter Radio 106.1 ak alterradio.org. Edisyon jounal sa, nan jwen ni an podcast Alter Radio sou Mixcloud, sou Zeno Radio, sou TuneIn, sou Apple, sou Spotify, ak Google Podcast. Tous les jours, toutes nouvelles, sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio.
Radio, li fè inè. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince, sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com/alterradio et zeno.fm/alterradio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. 20 ans. Groupe Média Alternatif. Communication, média et information. Groupe Média Alternatif. 20 ans. Parce que la communication est un droit. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toutes formes. Informasyon l'anoui pou la jounen sou Alter Radio 106.1. Informasyon pou nal pi loin. Citoyen, citoyen nan la Tibonit, nouvo maladi koronavirus la ap mache sou nou. Se doa nou pou l'Etat garanti nou bon jan la soyan pou nou vive bien. Devoa nou, se respekte tout konsey pou nou pa pran maladi koronavirus la. Se responsabilite nou pou nou poteje tèt nou. Poteje tèt nou pou nou ka proteje fami nou ak kominote nou. Atensyon, pa kapon. Prekosyon, se sel chans. Sou teren koronaviris, se tout ti vis. Se te yon mesaj, otorite lokal ak organizasyon sosyete sivil nan depatman Latibonit ak supo proje toujou pifo ansam, yon proje ki jwen bourad l'ajan Union Européenne. Mesaj sa, pa angaje Union Européenne. Information sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. À la une de l'actualité, le président américain Joe Biden a promis jeudi une réponse de l'OTAN en cas d'utilisation d'armes chimiques par le président russe Vladimir Poutine dans la guerre en Ukraine. Nous répondrons s'il y a recours. La nature de la réponse dépendra de la nature de cette utilisation, a déclaré M. Biden à l'issue d'un sommet de l'OTAN à Bruxelles. Le président américain a aussi exprimé l'espoir que la Chine n'aide pas la Russie à amortir l'impact des sanctions occidentales, estimant que l'avenir économique du géant asiatique était davantage lié à l'Occident qu'à son voisin russe. Je pense que la Chine comprend que son avenir économique dépendra bien davantage de ses relations avec l'Occident qu'avec la Russie, et j'ai bon espoir qu'elle ne va pas s'engager pour aider Moscou à atténuer les sanctions imposées après l'invasion de l'Ukraine, a indiqué M. Biden. Vladimir Poutine misait sur une division de l'OTAN en déclenchant l'invasion de l'Ukraine, mais l'Alliance Atlantique n'a jamais été plus unie qu'aujourd'hui, a ajouté le président américain. Il ne pensait pas que nous puissions maintenir cette cohésion. L'OTAN n'a jamais été plus unie qu'elle ne l'est aujourd'hui. Poutine obtient exactement le contraire de ce qu'il voulait en envahissant l'Ukraine, a-t-il ajouté. Autre nouvelle, l'OTAN a annoncé jeudi qu'elle allait fournir à l'Ukraine des équipements de protection contre des attaques chimiques, biologiques et nucléaires et protéger ses forces déployées sur le flanc oriental contre ces menaces après un sommet extraordinaire de ses dirigeants au cours duquel le président